Salut tout le monde, c'est Sakalamon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de GeoGuessr. Vous avez l'air d'avoir apprécié le premier épisode. Cette fois-ci, je vais peut-être pas faire la map du monde. J'ai décidé de prendre une map. J'ai décidé de prendre une map ici, donc une autre map. Je vais prendre les places fameuses. On prend les places fameuses. C'est un peu plus strict que le monde, mais pas tant que ça. Ok. Puis au moins, on se retrouve tout le temps. On n'est pas au milieu de nulle part. Donc, ça a l'air d'être une antiquité. Ça a l'air très. Ben, c'est déjà, je pense qu'on est en Europe. Ça, c'est européen. Ça, c'est vieux. Sans vous offenser. Donc, je veux dire, le style de bâtiment, ça a l'air. Comment ils ont fait pour aller ici? Je sais pas si c'était un char ou. Ça dit que c'est une personne. Mais où qu'on pourrait. On a l'air d'être dans un arena. Pas dans un arena, mais dans un amphithéâtre. Donc j'irai plus avec Grace. Puisque. Grace ou Rome? Bon, c'est des touristes. Parce que mes parents sont déjà allés visiter la Grèce et il y avait des. Peux-tu sortir? Ok. Ouais, j'irais plutôt avec cette région ici. Ici, là. Pour qu'est-ce qui est de la flore, ben là, je n'ai aucune idée. On peut pas. Il n'y a pas vraiment de différence entre les Italiens et puis tout ça. Donc, je pourrais pas dire ça non plus. Si on peut aller dans les rues, peut-être que ça pourra avoir, on pourra avoir des idées. De toute façon, c'est une place fameuse, donc. Ben déjà, il y a des lags. mais il pourrait aussi y avoir des panneaux qui indiquent ces places-ci. Vous allez dans la rue. Non. On va essayer de zoomer, voir peut-être une marque de char. Oh oui, puis ces panneaux sont écrits en russe, ben là. En russe, en grec. On va le reconnaître automatiquement. Parce que c'est la seule chose. C'est comme le russe, on ne sait pas lire. Pas tout comme moi. Okay, cocarde d'or qu'on est peut-être en France. Ouais, d'après moi, on est en France. Lunel, Novaïdon, donc on est peut-être dans ce coin ici. Parce qu'il y a un peu d'espagnol. Est-ce que je cherche Lunel, Novaïda et Noviada? Six Lionettes. C'est pas du. Pourtant, il est écrit 15 juillet. Des Lyonnais. Peut-être en. Oh! Ce serait trop. Ce serait quand même assez bizarre qu'on soit dans un petit pays que. Dans l'Andorre. Ouais, donc on est peut-être en France. Là, sérieusement, on chale pas. Ok, donc on est certainement dans un pays français. Brasserie. Donc on est probablement en France. Oh, ce serait peut-être pendant l'époque de la Gaule. J'ai vu la Provence. Donc on est dans le coin de Marseille. Dans ce coin ici, on peut être à Nice, quelque chose comme ça. Bus, je sais pas comment dire. Ah, bus urbain, Camille. Ouais, donc on est peut-être dans l'époque de la Gaule, donc ça aurait été, ça expliquerait, mais bon, on est sûr, les bâtiments restent quand même pareils. Bariole, Arles.
Arles. Hop. On est dans Arles. Ah! À 400 mètres. 400 mètres. Il me manquait 2 points, puis j'avais parfait. J'étais extrêmement proche. C'était ben parfait. Comme d'habitude, vous aurez le lien dans la description pour faire la presse avec moi. Oh, j'ai bien géré celle-là. On était chanceux. Ouh. Très beau jardin. Je suis sûr que ça va être une place super connue, mais j'ai aucune idée pour l'instant. C'est pas beaucoup visité l'Europe, donc je pourrais pas vous dire. Peut-être qu'on aura un autre personnage là, donc peut-être ça pourrait nous aider. Merde, je suis passé où? Attends, on va essayer. On peut pas monter en haut là? Non. Ah, ok, donc des statues grecques slash romaines. Mais bon, je pourrais encore me tromper, puis que ce soit complètement autre chose. Putain, c'est beau quand même. Ça a l'air d'une sorte de palais. Wow. Y a pas ben d'indices, c'est un peu dommage. On peut peut-être essayer de trouver la route. Très belle fontaine. Ah, ici on va aller installer ici. Sais pas. Ces statues ont l'air un peu grec. Hop. J'espère que je suis pas si loin de ça. On est encore en Europe parce que, à ce que je sache, il n'y a aucune place comme ça en Amérique. Les gros jardins comme ça. Déjà, on n'est pas au Canada, ça c'est sûr. Pas que le Canada est pauvre, mais je veux dire. On va descendre. On va peut-être. C'est quoi, c'est genre un lac là-bas? On a assez. C'est ça! Ah, il veut pas descendre. Pff, on n'a pas d'indice. Indice. Indice. Oh, ça. Arrête de tourner. Merci. Juste les statues. On va essayer de passer par là. Je sais pas si c'est parce que la place est grande, mais on dirait qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Ok, je peux pas aller par là-bas. Enfin, il n'y a pas fait grand-chose. Putain, ces armes. J'ai quand même une magnifique vue ici. Hop. Peux-tu descendre en bas? Il y a des sapins. Moi, tout ce qui est épinette, ça s'appelle un sapin. On continue d'avancer. Putain, il y a donc des statues. Donc là, on est un peu descendu. Mon Dieu, je me demande combien de jardiniers qu'il doit y avoir. Bon, on continue par là-bas. Après un score quasi parfait, on va peut-être avoir un score assez lamentable. Déjà, j'imagine qu'on est dans le sud. Tu vois, ici, on est sur un char. Tandis que l'autre, je pense qu'on avait. On sort peut-être un peu.
Mais voyons donc. Juste la position que c'est placé comme ça ici, là. J'ai l'impression que c'est genre le Taj Mahal, là. Mais je sais que c'est pas comme ça. Je sais que c'est pas le Taj Mahal. Mais juste cette longue allée, mais voyons donc, c'est long, mais vraiment long. Bon, je pense qu'on aura pas le choix de faire un... Mais... Je pense pas que ça atteigne. Ça a l'air d'un château, mais ça... Je pense pas que... Je vais faire un guess, je vais dire que c'est Milan. Ok. Ah, oh, c'est à l'extérieur de Paris. Ça, c'est pas le château de Versailles. Eh oui. Putain, c'est ça. C'était le château de Versailles. Versailles. Ah, ben j'imaginais du tout, pas du tout comme ça. On m'a dit, me crier dans les commentaires. Ne soyez pas trop fru, je n'ai jamais été à Paris. Bon, je savais que c'était un château, mais j'étais déjà pas proche, j'étais quand même assez proche. J'ai quand même eu 3000 points, c'est pas si pire que ça. Je savais déjà que c'était un château. Mais je savais pas que c'était aussi gros que ça, hein. Ben, GG à tous les Français qui ont construit ce château parce qu'il est magnifique. C'est très beau. Puis aussi proche de Paris que ça. J'aurais pas du tout imaginé ça. J'aurais pu le trouver probablement, mais bon. Prochain round. C'est pas super comme. Ah, ben là. Le Chichen Itza. Easy shit. C'est dans ce coin-ci. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à le savoir. Hein. Je vais quand même faire peut-être une visite des lieux, mais juste trouver le lieu. Je sais que c'est au milieu ici. Genre. On va dire que c'est. Je sais que c'est plus varié. On va mettre quelque chose comme là. Ok. Ben, je vais faire un petit tour. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Make guess. Ah, ça va, c'est plus varié. Mais c'est même pas dans un parc national. Ah, ouais, tu finis ça. Bon, j'avais le nom. Et j'ai un truc pour l'instant, je suis en train de faire une très bonne partie. Je savais dans quel coin que c'était, mais j'étais pas sûr, j'étais vraiment pas sûr, une centaine de kilomètres quand même. J'étais vraiment pas sûr exactement où, j'aurais pensé que ça était dans un parc national plus gros que... Qu'est-ce que c'est là? Mais bon, prochain. Oh. La porte du roi. On doit être... Soit... Paris. Je sais pas s'il y a d'autres capitales. On est peut-être en Belgique. Terrasse Poulard. Quand même eu de la chance, on a quand même eu des. Pour l'instant, on a eu trois en France, puis. Ouais, on est en tout quatrième. Puis un à. Au Mexique. La belle Normande. On sera en Normandie. On sera... Ben, c'est sûr qu'on est en France. Ça, c'est... C'est sûr. Y a-t-il une capitale? Non, je pense que Paris a tout le temps été la capitale de la France. Vue sur la baie. Donc on n'est pas à Paris. On est en Normandie. Donc on est peut-être à Caen. Caen. Je sais pas comment on prononce ça. Le Havre. Putain, mais c'est
La vieille auberge. Une visite historique. Le 4 musée. Mère Poulard. Les pots de cuivre. Je pensais qu'il disait qu'il aurait pu dire une ville. Les polices se promènent à pied. Il manque un peu de place. Chapeau de police. Demeure historique du chevalier Bertrand de Guesclin. On va essayer de trouver ça. Je sais qu'il y a... Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est... On va faire... Il y aurait le Havre. C'est une assez grosse ville. Ça, ça fait partie de la Bretagne. Ça, c'est la Normandie. Peut-être Dieppe. Calais, je pense pas que ça fasse partie de la Normandie. Château de Dieppe. On va peut-être essayer de trouver une ville. Une rue. Chevalier Bertrand. Bon, on va essayer de trouver une autre rue. Mais c'est serré. La fille des visites historiques, cloche, vieille auberge. Imagine, c'est toute seule la ville. Bon, ben, on a le drapeau français. Oui, sors-moi d'ici. Ok. Voyons, encore les poulards. C'est le drapeau européen. C'est ça leur B. Donc on est peut-être à Caen. Parce que... Non, on est peut-être ici, hein. Puis après, on va aller voir à l'Havre. Ici, ouais, ça pourrait être ici aussi. Puis Caen. Mais je pense pas que ce soit ça. Château de Caen, Église Saint-Pierre, Passe Normandie, Avenue Bruxelles, Mémorial de Caen. Mais j'ai même pas vu de nom de route. Peut-être que l'autobus, non. Il doit y avoir un autobus qui doit être écrit, non. Oh, je pensais où, moi. Ah, sont toutes les voitures. Faisons de sécurité. Ah! On est là. Oh putain. C'est le château de Caen? Non, on est plus collé sur l'Auxa. Ça me c'est pas ça, c'est pas le château de Caen. Peut-être là. Est-ce qu'il y a un château ici? Putain, c'est quoi le nom encore? Bon, on est peut-être Dieppe. Dieppe, c'est quoi le nom qu'il y avait? Il me semble qu'il y avait un château. C'était sur la mer. McDonald's, et oui. Ah, c'est peut-être ça. Ça c'est quoi? Je pense que j'avais vu un château ici aussi. Parce que sinon on est à Caen. Je reconnais cet endroit, mais je pourrais pas te dire. Ouais, on va dire que c'est Caen. On va dire qu'on est au château de Caen. Il me semble que c'est pas ça le nom. Mais on va dire que c'est ça. On est ici.
Non, on était au Mont Saint-Michel. Ah oui. J'aurais pensé que ça aurait été dans une plus grosse ville. Mais oui, ouais, c'est ça. C'est le Mont Saint-Michel. En tout cas, les couleurs ont l'air d'être assez populaires là-bas. Quand même 4616 points. C'est pas si pire. Une chance, j'ai pas pris les autres parce que j'aurais été encore plus loin. 100 km, 104 km encore. Et une dernière. Mais quoi, il nous remet encore Château de Versailles? Ils sont sérieux là? Paris. Là. Versailles. À 200 mètres, ok. 4999. C'est quand même con qu'il nous a mis deux fois dans la même map. La même carte. Donc, le pire, ça a été lui le premier sur le château de Versailles. Le meilleur, ça a été le deuxième. C'est assez compliqué de manquer ça. Ça s'est pas mal concentré en France. Hein. On a eu quatre endroits en France. Ben, trois. Puis, un au Mexique. 22 279. Je pense que ce serait assez dur de me battre. J'ai quand même eu assez un score parfait. Bon, c'était quand même assez facile. J'ai trouvé facilement la ville ici. Arles, à Arles, aux Arles, je sais pas. Ouais, il y a juste l'affaire de Milan que là, les Français, je pense que vous allez me battre avec le château de Versailles. Puis peut-être, ouais, le château, le Mont Saint-Michel. Que ça aussi, vous aurez pu savoir facilement. C'est vrai que le château de Versailles, puis le Mont Saint-Michel, c'est quand même deux châteaux assez gros. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait de populaire. C'est quoi encore? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait. Ah oh, oui, c'est le sort de stade. Attends, je vais voir c'est quoi le nom. Collège, non. Théâtre antique. Ok. Je connais pas la place. Mais bon, on a quand même eu. Puis tu tenais dire que ça. Je savais déjà dans quel coin. Que c'était. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et on va peut-être en refaire une place fameuse parce que déjà j'ai eu un bon score. Puis, puis deuxièmement, ben là, c'est quand même un peu chiant qui m'a mis deux fois le château de Versailles. Sinon, je vais peut-être faire. Ouais, je pense que prochaine vidéo, si on en fait une, on va faire l'Union européenne qui devrait être relativement facile. Je devrais dire, pas beaucoup si facile que qu'est-ce que je viens d'avoir là, mais quand même. Et c'est ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Oui, ben, je vais prendre le lien. Et vous l'avez dans la description si vous voulez jouer. À plus.